Bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin pour parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Ce matin, nous allons parler de Shiba. Il y a un portail de Burn qui a été lancé. On n'avait pas trop de détails dessus, mais maintenant, on a plus de détails sur comment on appelle. Ces différents burns qui vont se passer, comment ça va se passer. Voilà, on va essayer de vous en parler ici. Maintenant, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche ou bien qui viennent de connaître la chaîne pour la première fois, alors abonnez-vous, activez les cloches de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos que nous allons lancer. Voilà. Et donc, ce matin, nous allons parler du portail de burn. Voilà, ce portail de Burn, c'est burn.shibaswap.com. Voilà, c'est un portail officiel. En fait, au départ, le Shiba, les gens brûlaient le Shiba en trouvant eux-mêmes des portefeuilles morts et ils envoyaient généralement sur ces portefeuilles Ethereum, il y a certains portefeuilles Ethereum qui sont morts, donc on envoie là-bas et pour rendre inactifs les différentes pièces ERC-20. Voilà. Donc maintenant, il y a, comment on appelle, un portail officiel. Et ce portail officiel permet de brûler du Shiba. Mais pour la première fois de toutes les crypto-monnaies qui ont choisi d'utiliser cette nouvelle technologie de burn, pour la première fois de l'histoire, le Shiba, lui, il a fait une innovation. Et cette innovation, c'est quoi? C'est que vous brûlez du Shiba, alors le Shiba vous récompense encore avec un autre token. Alors, vous voyez que c'est extraordinaire. On voit que Baby Doge, il brûle des pièces. Beaucoup de crypto-monnaies brûlent des pièces. Et puis, c'est pour réduire l'offre en circulation. Effectivement, le Shiba aussi a décidé de brûler, mais il a fait une innovation de taille. En brûlant du Shiba, alors vous recevez des Ryoshi Vision. Je précise, Ryoshi Vision, il y a deux Ryoshi. En tant que, comment on appelle, token, il y a Ryoshi Token et puis il y a Ryoshi Vision. Alors, ne faites pas l'erreur. Donc, Ryoshi Token, c'est une autre crypto-monnaie. Ryoshi Vision, c'est cette crypto-monnaie qui est intégrée dans l'écosystème du Shiba. Et son histoire, c'est quoi? Ce sont des gens de la Shiba Army, c'est-à-dire les gens membres de Shiba qui ont aimé la vision du fondateur Ryoshi. Alors, ils ont décidé de lui dédier une pièce. Alors, cette pièce-là, ils l'ont appelée Ryoshi Vision. Parce qu'ils ont vraiment aimé sa vision du monde décentralisé. Et donc, cette vision du monde décentralisé est encore plus décentralisée même que le Bitcoin, qui est initiateur même de la crypto-monnaie. Alors, ils ont salué cela en créant en son honneur une crypto-monnaie qu'ils ont appelée Ryoshi Vision. Alors, en le créant aussi, ils ont été tellement humbles. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Dès qu'ils ont créé la pièce, ils se sont basés seulement sur Shiba Swap. C'est là-bas qu'ils étaient logés pour le début. Alors, quand ils ont été logés, ils se sont logés sur le Shiba Swap seulement. C'est là-bas uniquement qu'on pouvait avoir. Alors, dans les premières heures de cette monnaie-là, ils ont fait vraiment beaucoup de récompenses au niveau de. Comment on appelle tous ceux qui partaient staker du Shiba sur Shiba Swap. Alors, tous ceux-là, nos hommes parmi toutes ces personnes qui ont reçu des Ryoshi Vision en token simplement parce que voilà, on était juste des gens qui sont allés staker dans les premières heures sur le Shiba Swap. Alors, dans les tokenomics, 1% est brûlé chaque fois que il y a des opérations qui sont faites sur leur monnaie. Et après ceci, une autre partie des récompenses est destinée à Shiba Swap pour récompenser tous ceux qui sont des stakers sur le Shiba Swap. Alors, cela, il y avait deux phases. La première phase et la seconde phase. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant la première phase? Pendant cette première phase, on avait 20 semaines pendant lesquelles et les détenteurs de Shiba Swap, en tout cas les détenteurs de comment on appelle des Shiba qui venaient staker sur Shiba Swap, ont reçu des Ryoshi Vision en termes de récompenses, en plus des bonus,
en plus des W Ether, alors ils ont reçu encore des Ryoshi Vision en termes de récompense. Et donc, c'est cette monnaie-là, vraiment, elle a fait quelque chose de grand pour le Shiba. Alors, ça fait aussi que la monnaie aussi ne décollait pas aussi. Parce qu'il était seulement sur Shiba Swap. Et il a tenu bon. Il est resté là-bas pendant un bon bout de temps. Ensuite, maintenant, il a commencé à se déployer sur d'autres plateformes. Et quand il a commencé à se déployer sur d'autres plateformes, il a brûlé immédiatement 1-0. Alors, vous pouvez même le trouver, non seulement sur Shiba Swap, mais vous pouvez le trouver aussi sur Bbox, sur Coinsbit et sur plusieurs autres plateformes. Voilà, sur les DEX aussi, il y a OdeX aussi, il y a OX Protocol aussi. Vous pouvez l'avoir aussi sur Uniswap pour ce qui concerne les DEX. Vous pouvez l'avoir sur les caisses aussi, en tant que Bbox, comme je l'ai dit, CoinTiger et puis GT Global Exchange. Voilà des sites centralisés sur lesquels vous pouvez avoir ce token-là. Alors, quelle est la récompense actuelle par rapport au burn? Voilà, depuis ce portail a été lancé, alors dans les premières 24 heures, 8 milliards de Shiba ont été brûlés. Alors, toutes les personnes qui ont brûlé du Shiba ont reçu des Ryoshi Vision en récompense. Voilà ce qui est dit. Alors, il y a une deuxième phase qui va commencer et elle va durer aussi 20 semaines aussi. Deuxième phase va durer aussi 20 semaines. Mais il y a eu beaucoup de changements dans la deuxième phase. Ryoshi Vision nous rappelle que ce portefeuille qui est destiné aux récompenses avait une valeur lorsque la pièce était montée. La valeur était de 1,2 million de dollars. Alors, quand le prix était au plus haut, cette valeur est montée jusqu'à 30 millions de dollars. C'est-à-dire que la récompense qui est destinée à être distribuée aux différents détenteurs de Shiba qui sont sur Shiba Swap. Voilà. Mais cette fois-ci, pour la deuxième phase, il y a eu certains aménagements qui ont été faits. Alors, on va vous expliquer ce qui a été fait comme changement pour cette deuxième phase qui va durer aussi 20 semaines. Alors, la distribution se fera à moitié, c'est-à-dire 50% seront destinés aux Ryoshi Warriors, ce qui est normal déjà, c'est-à-dire tous ceux qui sont, dans le projet Ryoshi d'abord, alors vont recevoir 50%, alors vont recevoir cette moitié. Et dans cette moitié-là, comment ça va se passer? Pour ceux qui sont des détenteurs de Ryoshi Vision. Alors, ils ont dit que 49% proportionnel aux propriétaires du pool chip brûlé, c'est-à-dire que tous ceux qui vont aller brûler du Shiba, voilà, ils vont recevoir 49% étant dans ce pool de brûlure. Ensuite, 49% seront proportionnels aux stakers de Shiba, aux stakers de Ryoshi sur Shiba Swap, c'est-à-dire quoi, sur les LP, c'est-à-dire vous pouvez aller faire du staking sur Ryoshi. Sur Shiba Swap, quand vous partez le faire là-bas, alors vous recevez 49% de ces récompenses. Voilà. Donc, on sait déjà qu'en brûlant du Shiba, vous recevez des récompenses. Mais combien de récompenses? Alors, ils nous disent ici que, voilà, vous allez recevoir qu'à 49%. Maintenant, on nous dit aussi que 49% aussi pour ceux qui vont aller staker du Ryoshi dans les pools de liquidité là-bas, qui vont aller staker du Ryoshi Vision là-bas, alors ils vont recevoir aussi 49%. 1% est destiné au projet Shiba Swap et 1% est destiné au portefeuille Ryoshi, du projet Ryoshi. Alors les 1% qui sont destinés encore au portefeuille Shiba Swap, ce sont ces mêmes 1% qui sont récupérés et qui sont redistribués à tous ceux qui sont des stakers sur Shiba Swap. Vous voyez comment le projet il est intéressant. Alors, ce projet-là aussi, n'oublions pas aussi que ce projet, dès son lancement, avait aussi brûlé aussi jusqu'à 50% de l'offre. Voilà. N'oublions pas que ce projet a fait aussi la même quantité de Shiba, comme le Shiba aussi, 1 million de milliards, et 50% de l'offre a été brûlée. Mais cette fois-ci, pour eux, ils n'ont pas envoyé à Vitalik pour brûler. Peut-être Vitalik allait peut-être prendre une autre partie pour donner encore un don. Alors, eux, ils ont décidé qu'on n'envoie pas à quelqu'un. Ils ont envoyé dans le portefeuille mort de Shiba Swap pour le brûler là-bas directement. Alors, jusqu'à à cette heure, nous sommes déjà à 53% de l'offre qui a été déjà brûlée. Voilà. Alors, n'oublions pas aussi que
Ce contrat-là aussi, c'est un contrat qui a été renoncé, sans oublier aussi que le contrat, est, comment on appelle, le pool de liquidité aussi est bloqué aussi, de sorte que les développeurs de ce projet ne peuvent pas prendre la pièce et disparaître du jour au lendemain. Tout ça, ça a été certifié, alors c'est un projet sur lequel on peut investir. N'oublions pas aussi que ce projet fait partie de l'écosystème de Shiba officiel. Voilà, beaucoup de projets accompagnent le Shiba, mais officiellement n'ont pas intégré l'écosystème de Shiba. Alors, Ryoshi Vision, le Shiba pour remercier, parce que le Shiba respecte toujours ses promesses, alors pour remercier, comment on appelle, Ryoshi Vision, en tant que créateur de cette monnaie-là, qui a suivi, comment on appelle, une vision commune avec le Shiba, alors ils ne l'ont pas oublié dans leur écosystème, ils l'ont intégré, et cette fois-ci, ils pouvaient dire que, par exemple, ceux qui vont brûler du Shiba, on va leur donner du lish ou bien du bone. Mais on dit non, cette fois-ci, ceux qui vont brûler du Shiba dans le portail de Burn vont recevoir du Ryoshi Vision. Pourquoi? Parce qu'ils veulent leur donner de la visibilité à la pièce et ça va permettre à la pièce de monter aussi. Alors, tout le monde dans l'écosystème de Shiba profite. Alors, tous ceux qui vont créer la pièce, qui vont venir officiellement dans l'écosystème de Shiba vont profiter parce que le Shiba n'oublie jamais personne. Voilà, Ryoshi a fait un sacrifice, Ryoshi Vision en tant que projet a fait un sacrifice dans les premières heures, se fait oublier en restant simplement dans le Shiba Swap. Et maintenant, aujourd'hui, il est récompensé en intégrant de façon plein pied dans l'écosystème de Shiba. Alors, tous ceux qui vont brûler du Shiba, vous attendez tel milliard de Shiba a été brûlé, alors ces personnes vont recevoir des Ryoshi Vision. Alors, en recevant ces Ryoshi Vision aussi, c'est aussi une visibilité pour la pièce. Alors, ça va aussi permettre aussi à la pièce aussi d'être connue aussi. Et le fait que la pièce aussi a commencé à se délocaliser pour aller maintenant sur d'autres plateformes, plusieurs autres plateformes centralisées, tout ça va donner de la visibilité et va faire monter la pièce. Voilà un peu ce que vous devez comprendre sur ce projet. N'oublions pas aussi qu'il y a un burn intégré dans le projet. Chaque transaction qui est faite, il y a 1% qui est brûlé. Voilà. Donc, c'est vraiment intéressant en tant que projet. Donc, il fallait comprendre tout ce mécanisme qui est en place pour dire que tous ceux qui sont dans le projet, comment on appelle, de Shiba, pour dire que le Shiba respecte toujours ses engagements. Et s'il respecte ses engagements, alors tout ce qui a été dit, que ce soit le métavers qui est en marge par rapport à la vente des terrains, actuellement les parcelles sont en vente, sans oublier le Shibarium qui va venir encore aider encore le Shiba à atteindre ses objectifs parce que les frais seront quasi nuls. Alors si les frais sont réduits, alors tous ceux qui payent sur Ethereum vont voir que voilà, ils peuvent passer sur le layer 2 pour aller payer des pièces. Alors ça va augmenter encore la possibilité d'achat de Shiba et tout ça va avoir aussi, sans oublier aussi qu'en achetant aussi, il y a un système de burn qui sera aussi dans le Shibarium et tout ça va rendre le Shiba encore plus déflationniste pour atteindre ses objectifs. Alors, dans les 2025 là-bas, ne soyez pas étonné de voir le Shiba avaler tous ses zéros, de se retrouver à 0,1$ au minimum au moins que le Shiba pourra faire. Alors, pourquoi? Parce que le Bitcoin est envisagé pour 1 million de dollars pour 2025. Alors, si l'écosystème de la crypto-monnaie, avec tout ce que j'ai expliqué dans la vidéo précédente, tout ça se réalise, alors qu'est-ce qui va se passer? Alors, ne soyez pas étonnés de voir plusieurs projets, à l'instar même du Shiba, les Baby Doge, tout ça exploser, les Raka atteindre les 5 dollars avec une facilité incroyable. Parce que d'ici là, déjà, il sera listé aussi sur Binance. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur le monde de la crypto-monnaie et spécialement sur le portail de Burn et aussi sur la crypto-monnaie Ryoshi Vision. Pour ceux qui veulent faire les formations en ligne, c'est tous les jours que voilà, ces formations ont lieu. Le numéro WhatsApp est dans la description. Voilà, vous pouvez interagir avec moi pour prendre vos différentes formations chaque jour. La formation au niveau, comment on appelle, d'Abidjan pour la 3e édition. Voilà, c'est toujours avec le leader Elisabeth, le leader Bill et le leader Georgette pour vos différentes inscriptions là-bas. Alors, c'est prévu le 14, le 15 prochain. Voilà, donc on vous attend massivement pour remplir la salle et vraiment interagir ensemble pour vraiment bénéficier de tout l'écosystème de la crypto-monnaie. Pour la formation au niveau La formation au niveau de Ouagadougou, c'est toujours avec le grand leader Dieudonné que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau de la RDC, c'est toujours avec le grand leader
Faustin que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau du Sénégal, c'est toujours avec le grand leader Mama que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. Au Togo, nous avons le leader Abraham qui va interagir avec vous pour vos différentes inscriptions. Au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau de la côtière du côté de San Pedro, alors nous avons le grand leader TB Joseph qui va interagir avec vous pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau d'Abengourou, c'est toujours avec le grand leader Yapi que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. Alors la formation au niveau de Daoukro, on a le grand leader Yaya pour les différentes inscriptions. Et dans le Grand Ouest, nous avons le grand leader Niawa qui va interagir avec vous pour vos différentes inscriptions. Et la formation dans le Grand Nord, alors c'est avec le leader Djedje que vous devez interagir. Voilà, n'oubliez toujours pas qu'il faut toujours chercher à sécuriser ses acquis. Il faut toujours se mettre à jour, il faut toujours actualiser les informations. Vous voyez, au fur et à mesure que nous avançons, voilà aujourd'hui le Shiba qui fait une innovation de taille, un burn qui vous donne encore des récompenses. Alors, au niveau de la crypto-monnaie, vous partez, vous revenez, dans 6 mois, vous êtes dépassé. Alors, les choses avancent avec une vitesse incroyable. Voilà, donc, vous devez toujours vous actualiser au niveau de la formation. Voilà, toujours big up aussi à la Centrafrique, aussi toujours pour vraiment cette initiative au niveau africain de la crypto-monnaie. Ça va réveiller les masses et ça, vraiment, c'est à toujours féliciter. Sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et si les opportunités se présentent devant vous, vous devez les saisir avant qu'elles ne deviennent évidentes aux yeux de tous. Alors, la Centrafrique est en train de vous dire que les choses sont en train de devenir évidentes. Alors, si vous ne vous réveillez pas, un matin, vous serez dépassé par les événements. Voilà. Et si vous pensez aussi que la formation coûte cher, essayez l'ignorance.